L'émission que vous allez entendre est l'avant-dernière émission de la série Couleurs de ce temps. 18 émissions ont été consacrées chacune à un peintre. Il a paru intéressant de consacrer la 19e à un sculpteur. Peinture et sculpture ont une base commune, le dessin. Toutes deux ont pour objet la représentation. Représentation de la réalité, représentation d'un état purement affectif ou des rapports qui unissent le monde et l'artiste, la question n'est pas tranchée. Il est probable qu'elle ne le sera jamais. Seuls prétendent répondre les philosophies et leur désaccord sur ce point est total. Peinture et sculpture sont-elles équivalentes en tant que moyen d'expression? Au contraire, chaque moyen d'expression rend-il compte d'une réalité différente? Chaque moyen d'expression a-t-il son autonomie, ses limites? Est-il indifférent de dire par la peinture ou par la sculpture? S'il paraît certain que le peintre pense en couleur et en forme, le sculpteur ne pense-t-il qu'en forme? Alberto Giacometti, à qui l'émission de ce soir est consacrée, n'hésite pas à dire que la grande sculpture est peinte et que le volume ne suffit pas pour tout dire, que la couleur est indispensable au sculpteur pour que le total de la statue soit en mesure de restituer l'émerveillement qu'il ressent en présence du réel. Ces propos, il semble qu'il soit possible de les attribuer à un sculpteur réaliste. Cependant, rien ne paraît moins réaliste au sens courant, au sens moyen de ce terme, que les œuvres d'Alberto Giacometti. Est-ce que une statue vous paraît avoir une taille? Pour vous, je parle. Est-ce que vous êtes normalement poussé à faire une statue d'une taille déterminée? Plutôt instinctivement, je ferais plutôt une sculpture, disons, il n'y a peut-être pas une taille, mais peut-être deux ensemble. C'est-à-dire que, instinctivement, je ferais des sculptures assez limitées de taille, n'est-ce pas? En commençant tout de suite par la taille elle-même, ou en étant... Non, là, il y a de nouveau deux choses. Si je fais une sculpture, si je vois ma sculpture d'avance, toute faite, ce qui se produit, je pense par exemple dans la sculpture moderne, c'est presque tout le monde, et que c'était le cas pour moi pendant pas mal d'années, l'objet se forme dans la, comment est-ce qu'on peut dire, dans l'imagination, n'est-ce pas? Peu à peu, on le voit dans sa matière, dans ses dimensions, alors la taille dépend de la nécessité affective au fond de l'objet, n'est-ce pas? Et la réalisation n'est plus que un travail matériel qui ne présente, pour moi en tout cas, me semble, aucune difficulté. Et puisque on le sait d'avance. Et moins d'intérêt. C'est presque d'ennui le fait de le faire. C'est-à-dire, on voudrait la voir. On l'a dans l'imagination. On a besoin de le voir réaliser. La réalisation même, elle est agaçante. Si on pouvait la faire faire par un autre, hein, on serait plus satisfait. C'est-à-dire, on voudrait la voir. On l'a dans l'imagination. On a besoin de le voir réaliser. La réalisation même, elle est agaçante. Si on pouvait la faire faire par un autre, hein, on serait plus satisfait. Et c'est pour ça que c'est exactement que j'ai cherché à faire des objets en faisant une esquisse en plâtre, les faisant exécuter par un menuisier, le retouchant, n'est-ce pas, et le voir tout fait, comme une projection de ça. Alors la seule satisfaction, c'était de pouvoir réaliser matériellement assez près une chose telle qu'on l'imaginait, n'est-ce pas? Et là, j'étais pendant un certain temps, comment est-ce qu'on peut dire, en désaccord avec d'autres sculpteurs qui pensaient que cela n'était pas possible. Par contre, si au lieu de vouloir réaliser une chose purement intérieure, non, une vision intérieure, qui est affective, ou, qui est déjà la réalité absorbée et malgré soi transformée en sculpture, si je veux tâcher de réaliser la chose qui m'est extérieure, dont la vue, disons, de modèle du peintre, n'est-ce pas? Alors là, la question de la taille se présente tout à fait autrement, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. La chose que je la ressens, je la vois, mais j'ignore complètement par quels moyens je pourrais la réaliser. Donc j'ai beaucoup de chance que je commence à me tromper pendant peut-être des années sur la taille, n'est-ce pas? Que pour rendre ce que je vois, la taille joue un rôle énorme, et il suffit qu'on soit 5 cm au-dessus ou au-dessous
pour y passer continuellement à côté. À côté. En même temps, il faut dire que pendant toute l'époque que vous allez se bordel et depuis, vous allez continuellement voir au Louvre et ailleurs, voir les sculptures, n'est-ce pas, que j'ai copié depuis toujours, depuis l'enfance, absolument tout ce qui me tombait sur la main, tableaux et sculptures de toutes les époques, et que peu à peu, j'ai, je crois, été intéressé ou attiré ou à peu près par tout ce qu'on a fait. Alors il y a des choses qui sont restées, que j'aimais autrefois, et dont je n'ai pas varié mon attitude envers elles, non. Et d'autres qui sont présentés, m'ont donné quelque chose, passionné et presque disparu. Mais il y a tout de même des choses qui sont restées et qui ont pris une certaine permanence, n'est-ce pas? Vous m'avez dit une fois que une des premières statues que vous aviez faites était, oui, une statue d'une certaine taille, assez grande, et que, en y travaillant, la taille de cette statue s'était réduite peu à peu. Oui. Et que vous étiez arrivé à une dimension qui était votre dimension. Et qui était mais c'est pas tout à fait que c'était ma dimension, que malgré moi, n'est-ce pas, et en m'en défendant autant que possible, j'étais dans la nécessité de me réduire à une dimension minuscule qui, en fait, m'étonnait, m'effrayait, et dont je voulais en sortir, sans penser que toutes les sculptures, à peu près, qui me touchaient du passé, étaient, comme par hasard, des sculptures de cette dimension. Plutôt minuscules, enfin. En tout cas, toute sculpture qui n'est pas attachée à une architecture ou à un endroit précis, n'est-ce pas? J'ai cessé de travailler d'après modèle, essayé en mémoire de réaliser ce que je ressentais devant le modèle, ou devant un personnage réel, n'est-ce pas? Et cela se réduisait à très peu de choses, n'est-ce pas? Ce que réellement je savais, ça se réduisait à peu près à une plaque, hein, de poser une certaine manière dans l'espace, et où il y avait tout juste deux creux, n'est-ce pas? Qui étaient, si on veut, le côté vertical et horizontal qu'on trouve dans toute une figure. Mais ce n'est pas ex abrupto que vous y êtes arrivé, ce n'est pas immédiatement. Pour arriver à cette plaque. Pour arriver à la plaque, eh bien, j'ai commencé naturellement en mémoire de vouloir réaliser le plus possible de ce que j'avais vu. Donc je commence bel et bien à faire une figure, analysée avec des jambes et des bras, une tête. Mais tout ça me semblait faux et je n'y croyais pas. Alors, pour la préciser, j'étais obligé, peu à peu, à sacrifier, ça n'était fait que ça, réduire, tant pis, laisser tomber et la tête, et les bras, et tout, de la figure, il ne me restait qu'une tache, au fond, et ce n'était jamais ni volontaire, ni satisfaisant, bien au contraire, toujours décevant, de voir que ce que je dominais vraiment comme forme, se réduisait à tellement peu de choses, n'est-ce pas? Et dans le temps, il vous avait fallu combien de temps pour arriver, pour faire cette expérience? En combien de jours, de mois, êtes-vous arrivé à cette plaque? Quoi, par exemple, pour arriver à cette plaque? À cette plaque, oui. Ben ça a duré, je crois, j'ai travaillé dessus tout un hiver, n'est-ce pas? Celle-là et deux autres du même genre. Parce que alors, il y a une autre chose, c'est que je commençais deux ou trois sculptures différentes et elles arrivaient au même point. Elles devenaient la même, toujours, n'est-ce pas? Et lorsque vous êtes arrivé à cette plaque, est-ce qu'elle présentait l'état de tension à quoi on est particulièrement sensible dans une sculpture? Il me semblait qu'elle était, d'une certaine manière, ressemblante avec les choses. Avec les choses et avec moi. Alors là, de nouveau, il y a une espèce de confusion. Est-ce que c'est belle les choses que je voyais, que je voulais reproduire, ou est-ce que c'est une chose affective, ou un certain sentiment qu'on a des formes, qui est intérieure, et qu'on voulait projeter à l'extérieur? Là, de nouveau, il y a un mélange dont ça ne sortira jamais, je crois. Oui, y a-t-il un monde extérieur, n'y a-t-il pas un monde extérieur, mais justement, là, ça se... Il n'y a pas de raison de décider pour l'un ou l'autre. Non. C'est la volonté qui décide, c'est pas l'esprit. C'est un volontaire, plutôt, je crois. Que... Ça peut arriver que, voulant s'exprimer soi-même, c'est pas... Disons, sans...
tenir compte de la réalité extérieure. Il y a. On ne finirait que par faire un objet qui a de ressemblance avec la réalité extérieure, mais comme vous l'en copiez, au plus exactement possible, le plus exactement possible, une tête par exemple, le résultat ne sera pour celui qui regarde pas du tout la tête qu'on voulait reproduire, mais la sensibilité de celui qui l'a fait. Donc il tourne à son contraire. Je crois que ça se reproduit continuellement d'ailleurs. Et oui, mais là on touche de nouveau à la même différence, c'est que si je regarde la tête d'Amenophis IV, qui est au Louvre par exemple, n'est-ce pas ? C'est pas tant Amenophis qui me touche, je le vois, je constate cette particularité de cette tête, mais pas plus que je le constaterai sous une photographie. Ce que me touche, c'est la sensibilité extrême du sculpteur qui l'a réalisé. Hein? Et ça me donne sa vision qu'il pourrait avoir de la réalité, la connaissance plutôt de la réalité. Hein? Par exemple, des formes tendues, pas contrastées, pas de trous, si on veut. Parce que vous ça s'approcherait presque, c'est pas une peinture de Seurat, si on veut, comme conception. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut préciser justement ce que vous entendez par forme tendue? Moi, j'ai déjà parlé de tension tout à l'heure. Alors, je sais que vous attachez une grosse importance à une certaine tension, à une certaine violence contenue dans la sculpture. Oui, en tout cas, c'est la sculpture où je ressens comme une violence contenue qui me touche le plus. Est-ce que la violence me touche dans les sculptures. Et cette maintenant, violence contenue, vous la trouvez dans la réalité? Je crois, oui, absolument, dans tout. Et au-delà, enfin, de ce que même que je pense qu'on puisse reproduire. C'est même ça qui m'étonne que, par exemple, dans la tête la plus insignifiante, disons, non, la plus, en tant que personnage, la moins violente, dans la tête du personnage le plus flou, le plus mou, non, ou un état, comment est-ce qu'on peut dire, un état déficient, non, si je commence à le regarder et vouloir le dessiner, le peindre, ou plutôt le sculpter, disons, tout cela se transforme en forme tendue et il me semble toujours de violence extrême, contenue, n'est-ce pas ? Qui dépasse, comme si la forme même du personnage dépasse toujours ce que le personnage est. C'est-à-dire, il est ça aussi, n'est-ce pas ? Mais il est surtout une espèce de noyau de... C'est plausible du fait qu'il puisse exister. Le fait même qu'il existe, qu'il n'est pas broyé ni écrasé, il me semble qu'il faut une force, n'est-ce pas ? Qu'il maintienne le noyau. Il le maintient, n'est-ce pas ? Est-ce que vous éprouvez la même impression de violence contenue devant le cadavre ? Là, c'est très compliqué à dire. Je crois que oui, enfin, en fait. D'ailleurs, ça m'a toujours énormément troublé, l'histoire du cadavre, par exemple. Tant que la forme subsiste. Oui. En tout cas, je l'éprouve nettement dans un crâne. N'est-ce pas ? J'ai passé, c'est pas la seconde année que j'ai, parce qu'à l'académie, en fait, je dis j'étais 5 ans, en fait, la seconde année, par hasard, je suis tombé sur un crâne qu'on m'a prêté. J'ai eu une telle envie de le peindre que j'ai laissé tomber l'académie pendant tout l'hiver. J'ai passé tout l'hiver dans une chambre d'hôtel à peindre le crâne. Où je m'étais, voulant le préciser, le saisir autant que possible, je passais des journées seulement à tâcher de trouver la tache, la naissance d'une dent, non, qui monte très haut près du nez, et le suivre le plus exactement possible dans tout son mouvement, non ? De manière que, si d'abord je voulais faire tout le crâne, cela me dépassait, j'étais réduit à peu près à faire la partie inférieure. C'est-à-dire la bouche, tout au plus, le nez, les orbites, et pas au-delà. Et encore aujourd'hui, je regrette de ne pas être allé au bout. Et depuis, j'ai toujours envie de reprendre cela. Et alors là, peu à peu, d'avoir un crâne devant moi, ou un personnage vivant,
la différence devient minime. Un vaut à peu près l'autre. Et alors, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que le crâne prend, pour finir, une présence vivante, n'est-ce pas ? Un crâne n'est pas l'équivalent d'une table ou même d'un fruit, un objet. Il est plus proche quand même d'une tête vivante que de n'importe quoi. Eh bien, alors, là, il y a une chose qui m'a frappé, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai vu que dans cette personne, la seule chose qui restait vivante, c'était le regard. C'est pas ? Que le reste, la tête qui se transformait en crâne, devenait à peu près l'équivalent du crâne du mort. Mais ce qui faisait la différence entre le mort et la personne, c'était son regard. Et alors, je me suis demandé, et j'ai pensé depuis, si au fond, il n'y a pas d'intérêt, pas grand intérêt de sculpter un crâne, un mort. On a la volonté de sculpter un vivant. Dans le vivant, il n'y a pas de doute que ce qu'il fait vivant, c'est son regard. C'est comme si c'est ça qu'on voulait sculpter, n'est-ce pas ? Et c'est là où je reviens là, aux Hébraïtes et au Laocoon. La sculpture des Hébraïtes est vraie, mais touche comme vraie, parce qu'elle a un regard. Et la sculpture grecque n'en a pas. Ça n'est pas l'imitation d'un œil, mais là, bel et bien le regard. Et je ne vois que le regard. Tout le reste, c'est un support de regard. Par contre, la sculpture grecque n'a pas de regard. C'est le cadavre que j'analyse et je regarde. Et alors là, il arrive une chose étrange. C'est par exemple, dans la sculpture égyptienne, qui m'a toujours beaucoup troublé et attiré, il y a le scribe dont qui est peint, bien entendu, et on a reproduit les yeux en verre ou avec des pierres. On a imité au plus près possible l'œil même. Mais le scribe ne vous regarde pas, il a un œil en verre. N'est-ce pas ? Et cela me gêne, malgré l'admiration que j'ai pour le scribe, cela me gêne. Et alors, l'Égyptien qui a fait le scribe est évidemment infiniment plus fort. Il connaît infiniment plus de choses et domine infiniment plus de choses que celui qui a fait la sculpture des nouvelles Hébraïdes. Mais alors, il se fait que celui qui a fait la sculpture des nouvelles Hébraïdes, arrivant à donner le regard sans modeler l'œil, et que seul le regard compte, est beaucoup plus près de la réalité, de ce qu'il s'agit de faire, n'est-ce pas ? Et me donne ça beaucoup plus de manière plus efficace que l'Égyptien. Même je pourrais dire qu'il y a une espèce de contradiction entre les connaissances que démontre le scribe et l'espèce presque, je pourrais dire, presque de naïveté ou de bêtise qui fait faire un œil en verre, n'est-ce pas ? Ou l'autre, il n'y en a pas trace. C'est de la sensibilité et de l'intelligence. Dans le fait qu'il a fait un regard, même si la sculpture, si le côté physique du personnage peut-être un côté naïf et pas dominé, n'est-ce pas ? Et dans la sculpture des nouvelles Hébrides, il y a également une chose, il n'y a pas que le regard, il y a toute l'importance donnée à la tête par rapport au corps, oui. qui n'est qu'un support, oui. qui d'ailleurs, n'est qu'une verticale. Oui, ça c'est très important, justement. Si le regard, c'est-à-dire la vie, devient l'essentiel, il n'y a pas de doute que c'est la tête l'essentiel. Le reste du corps devient presque comme des antennes qui rendent la vie possible au personnage vivant qui se trouve dans la boîte crânienne. Enfin, ça m'est arrivé à une certaine époque de voir les gens dans la rue comme si l'être vivant était minuscule, que je l'apercevais uniquement à travers l'œil, à travers son œil, comme s'il était enfermé dans sa boîte, avec deux trous pour regarder en dehors, en l'air, pas par terre. Il a une certaine distance du sol, et qu'il avait poussé des antennes pour se tenir debout, pour se nourrir, pour se défendre, mais que tout ça n'était pas très loin d'un outil. N'est-ce pas ? Qu'entre un marteau et la main, il y a moins de différence qu'entre ce qu'il y a de vivant dans la cervelle et la main, que la main, après tout, n'était qu'un instrument. Et ça me faisait un drôle d'effet. Parce que ça l'enlevait, d'abord, tout poids au personnage.
et le corps devenait au fond une matière morte, ou pas plus vivante que n'importe quelle matière végétale, n'est-ce pas? Il me semblait que la seule chose vivante était quelque part derrière dans sa boîte qui s'était construite elle-même. Et le respect des proportions, tel qu'on l'entend habituellement, ce respect des proportions que l'on croit voir dans la sculpture gréco-romaine, disparaît complètement. Oui, pas seulement il n'a plus aucun sens, mais alors là, c'est tourné, c'est exactement le... Pourquoi je... Le dos à la réalité. Toujours repoussé, n'est-ce pas? C'est exactement le contraire de la sculpture des nouvelles hébraïques, c'est que l'athée a moins d'importance, en fait, que la construction du corps, n'est-ce pas? Et qu'on analyse, on voit une jambe, un genou, on fait une somme de détails, on admire les connaissances de celui qui les a faites, mais après tout, ça n'est que presque un tour de force. C'est-à-dire, le fait qu'il domine les choses, ça le rend plus fort, celui qui les a faites. Mais le produit de son travail est plus décevant qu'autre chose. Et pour la traduction du mouvement? Là, il y a autre chose. Mais, pardon? Pour la traduction du mouvement, quelle est celle des deux sculptures? Oui, alors... Et la sculpture doit-elle traduire le mouvement? Et là, d'ailleurs, c'est curieux qu'une sculpture gréco-romaine est généralement mouvement, n'est-ce pas? Ils cherchent à donner une illusion de la vie en introduisant le mouvement. Parce que s'ils faisaient leur sculpture immobile, ça serait vraiment un cadavre de savant mis debout, n'est-ce pas? Donc, ils cherchent une illusion, mais ils la cherchent dans le simulacre du mouvement, qui d'ailleurs me gêne toujours. Parce que un bras d'une sculpture gréco-romaine en l'air ou le discobol, je voudrais qu'il baisse ses bras, qu'il finisse par s'asseoir, parce que cette immobilité... Vous voudriez enlever du tout second, mouvement à la statue? Vous le suggérez? Non, le mouvement devrait être dans la forme même immobile, n'est-ce pas? Le seul mouvement qui me semble tolérable dans une sculpture, la marche, c'est encore le simulacre. Parce que voyez-vous, il y a une chose que... J'ai fait un peu le... Non, il ne m'inquiète pas. C'est ça qui est très décevant et que je... C'est pour ça qu'après tout, moi, la sculpture, je voudrais bien m'en sortir. Il y a une chose que je trouve extrêmement frappante, c'est que c'est toujours sous la forme de sculpture que l'on présente la divinité à l'adoration. On peut peindre Dieu, on peut peindre le Christ des crucifixions, des saintes familles, oui, toutes les scènes religieuses possibles de toutes les religions. Mais... Le tableau ne provoque pas l'adoration, il peut provoquer l'admiration, il peut plaire, il peut inquiéter. On ne l'adore pas. C'est toujours sous une forme sculptée qu'on adore Dieu. Et tous les dieux en général. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Et je pense que, bien entendu, pour les choses d'Afrique ou d'Océanie, ou primitives, pour celui qui le regardait, c'était bel et bien un double, ou plutôt un dieu, non, qui est inspiré de la crainte, de l'admiration, de la crainte, ça va jusqu'au point que c'est très curieux qu'il semble que les premières sculptures égyptiennes qu'on a portées en Grèce, ce ne serait pas peut-être au 7e ou ça, je ne sais pas quel siècle, du fait qu'elles faisaient le mouvement de marcher, sans que les Grecs les attachaient la nuit pour que ça n'aille pas. Hein? Croyant qu'il pouvait peut-être prendre vie. Mais ça, est-ce que et encore au Moyen-Âge, on se demande ce qu'était réellement pour une vierge ou une sculpture dans une cathédrale. Probablement, et encore aujourd'hui, je pense, pour énormément de gens, c'est bel et bien un objet qu'on... une divinité, c'est pas, qu'on adore. Et qu'on craint. Ça devient bel et bien un double. Mais alors comment se fait-il ça? Je crois que ça n'est plus possible, par exemple, pour nous. Mais le fait, là, dont nous venons de parler, à savoir qu'on adore Dieu sous forme sculptée et qu'on peut le représenter sous forme peinte, est-ce que ce n'est pas de nature à mettre en évidence toute la différence de nature qu'il y a entre la peinture et la sculpture? Et alors, quelle est cette différence? Je me demande souvent, est-ce qu'il y a une équivalence des moyens d'expression? Ou est-ce qu'au contraire, chaque moyen d'expression permet de dire certaines choses et pas d'autres? Est-ce qu'on dit avec la sculpture des choses qu'on ne dit pas avec la peinture?
Oui, moi, là, je crois que n'est sculpture vraiment que ce que ne peut pas être dit, qui ne peut être dit que par la sculpture. Que tout ce qui peut être dit par la peinture, vaut mieux le dire par la peinture. Et réduire, il faudrait commencer à réduire, pour se rendre un peu compte de ce que s'appelle la sculpture, à ce qui ne peut être dit d'aucune autre manière que par la sculpture même. Et vous qui êtes peintre et sculpteur, est-ce que vous parvenez à prendre conscience de ce que vous voulez dire par la sculpture et de ce que vous voulez dire par la peinture? J'essaye en tout cas, j'essaye à déblayer le terrain. J'essaye toujours à tâcher de savoir ce que je ne peux dire que par la peinture et ce que je ne peux dire que par la sculpture. Et c'est très compliqué parce que on peut se tromper et on trouve dans les reliefs égyptiens ou surtout le passage du relief à la peinture, n'est-ce pas? Il y a le relief peint, il devient de plus en plus atténué et ça finit par être une simple peinture. Mais entre le relief et la peinture, il n'y a pas de différence. Et la même chose dans les sculptures, par exemple à Chartres, où il y a dans le portail royal les grandes figures immobiles qui sont comme des divinités, et puis il y a toute l'histoire dans les reliefs, n'est-ce pas? Mais les reliefs, là, ils s'approchent par exemple aux vitraux, ou à la peinture, où on est dans l'illusion. On l'accepte en tant qu'illusion, en tant qu'image de la réalité. Alors, est-ce que la peinture est toujours une illusion? Est-ce que tous les peintres seraient d'accord si vous disiez devant eux que la peinture est une illusion? Moi, je suis persuadé que la peinture n'est peinture même qu'étant illusion. La peinture, la réalité de la peinture, c'est la toile, n'est-ce pas? Il y a une toile qui est une chose réelle, mais une peinture ne peut représenter que celle qu'elle n'est pas. C'est-à-dire l'illusion d'autre chose. Si on veut, entre la peinture, il me semble, et l'écriture, il n'y a pas un gouffre, n'est-ce pas? Les signes ne sont le signe que de ceux qui ne sont pas. Et la peinture, la même chose. Et je crois, par exemple, que dans la peinture, disons abstraite, non, disons Mondrian, par exemple, où il voulait abolir l'illusion et créer un objet en soi, équivalent à n'importe quel autre objet, d'abord, il est arrivé à une espèce d'impasse. Je trouve, c'est un des peintres que j'aime le mieux, parce que je trouve merveilleux d'être allé à ce point-là jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais c'est un impasse. Mais même là, il se fait des illusions quand il croit que c'est une illusion. Parce que le tableau de Mondrian n'est pas du tout un objet en soi, comme une casserole ou comme une table. C'est bel et bien uniquement l'empreinte de Mondrian sur une toile. Là, ça devient un peu... En fait, la peinture de Mondrian s'approcherait un peu à la sculpture. N'est-ce pas? Ça deviendrait presque un objet. Et d'ailleurs, il le considérait un peu comme tel. Mais je crois que rigoureusement, si on veut, il sort du domaine de la peinture, justement. Et il entre dans un autre domaine. Et là, il y a un peu, dans tout, soit aussi bien la sculpture que la peinture moderne, si on veut. Je parle moderne, enfin, disons, abstrait, non figuratif. Il y a un phénomène nouveau, il me semble. Ça n'est ni la sculpture, comme nous disions, de nouvel hébraïque, ni comme le Laocoon. C'est des doubles, tout de même. Mais ces doubles, on a l'impression qu'ils ne veulent représenter évidemment que leur affectivité. Ils ne veulent donner à l'extérieur qu'une image, pas d'une chose qui leur est extérieure, mais d'eux-mêmes, projection d'eux-mêmes. Il y a quelque chose là qui m'inquiète, qui me semble très étrange. Et c'est ça que la sculpture, que les surréalistes défendraient, n'est-ce pas? La radiodiffusion française vient de vous présenter en deuxième audition Couleurs de ce temps, une émission de Georges Charbonnier et Alain Truta. Aujourd'hui, vous avez entendu Alberto Giacometti.